Bonsoir, c'est un mythe depuis 30 ans, il a déjà séduit 3 générations de Français, il est ici ce soir et c'est un événement, Johnny Hallyday, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à 7 sur 7 en cette dernière émission avant l'été, avant la rentrée. Comment parler c'est de vous... C'est les vacances pour vous. Voilà, les vacances tout à l'heure. Comment parler de vous sans verser dans le cliché et surtout comment faire le énième portrait de vous quand il s'est tout écrit sur vous, votre vie, votre œuvre. Aussi me contenterai-je de rappeler des images en vrac, de façon impressionniste, tant il est vrai que votre personnage et vos chansons ont rythmé notre vie. Johnny, aujourd'hui 48 ans, première apparition sur scène en 1960. Le rock, quand pour beaucoup c'était encore une musique de sauvage. Rappelez-vous de ce papier dans le journal Le Monde, après votre premier spectacle à l'Alhambra, en première partie de celui de Raymond Devos. J'avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand flandrin rose et blond, le plaisir fait d'intérêt et d'étonnement mêlé que procure une visite au chimpanzé du zoo de Vincennes. Je crois charitable de ne pas donner le nom, si vous voulez bien, du critique. Bien sûr, aujourd'hui... Il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, tout ça paraît décalé, tant je le disais, vous faites maintenant partie du patrimoine des Français, au point que maintenant sont les philosophes qui dissertent sur vous. Ainsi, Gilles Lipovetsky, dans l'Express il y a un an, écrivait « L'un des ressorts de la survie de Johnny Hallyday, c'est d'être à la fois contemporain d'une époque canonisée et archétype de cette période-là. » On pourrait continuer longtemps comme ça, Johnny, les Harley Davidson, les soirées interminables entre copains, des spectacles fous sur scène, à Bercy notamment, des fans en délire, un mariage avec Adeline l'année dernière qui fit grand bruit, mais surtout, 700 chansons et plus de 100 millions de disques vendus. Le pénitencier, Retiens la nuit, Souvenir, Laura, Que je t'aime, J'ai oublié de vivre, Quelque chose de Tennessee, Diego, y en a-t-il une seule qu'on ne connaisse pas par cœur ? Alors bien sûr, le revers de tout cela, vous le dites très bien dans l'interview Fleuve donnée vendredi à Maurice Achard, au Parisien. Vous ne prenez plus le métro depuis 1960, vous ne pouvez plus aller acheter vos cigarettes tout seul, vous ne savez plus ce que c'est que flâner à une terrasse de café. Bien sûr, il y a des drames plus grands dans le monde, mais est-ce que vous diriez que le succès à ce point, c'est une prison ou à tout le moins une forte atteinte à votre liberté ? Vous savez, c'est une vie que j'ai choisie, c'est une vie que j'aime, autrement je ne la ferais pas, par rapport à mon métier. J'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça enlève certaines libertés. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, mais qui sont pas graves, je veux dire, par rapport à certaines gravités de d'autres gens, par rapport à leur milieu, par rapport à leur train de vie. Non, mais ça, c'est les inconvénients de la popularité. Que je ne puisse pas aller me balader tranquillement au bord de la Seine, flâner au bord de la Seine pour regarder les petites boutiques qui sont au bord de la Seine, des vieux livres, etc. C'est pas très grave. Moi, je sais que très souvent, je m'en vais assez loin de la France, dans des pays où on me connaît pas. Moi, ce que j'adore faire, j'adore aller dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous faites dans les supermarchés? Je vais choisir des sauces. Je suis un malade des sauces. Des sauces piquantes, des sauces un petit peu comme on trouve dans tous les pays. Bon, ça, c'est une chose que je ne peux pas faire en France. Je ne peux pas aller dans un supermarché en France puis choisir des sauces librement avec un caddie. Ça ne me sert à rien. Parce que c'est un petit peu l'envie de faire des choses que je ne peux pas faire chez moi. Au Mexique, par exemple, il y avait un air lancinant de Julio Iglesias qui passait. Ça me berçait un petit peu, je choisissais mes sauces. Et puis finalement, ça ne servait à rien parce que j'étais à l'hôtel, j'étais en vacances. Et c'est des sauces qui restaient à l'hôtel. Johnny et ses sauces dans les supermarchés au Mexique. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses. Ouais. Quand on est comédien et quand on est chanteur, c'est vrai qu'on a besoin de s'imprégner un petit peu des gens qui marchent dans la rue. Moi, j'ai remarqué des choses extraordinaires, c'est que personne ne marche de la même façon. Mmh. Alors, c'est vrai que quand on veut composer un rôle, que ce soit pour le cinéma ou même pour faire un sketch sur scène, c'est bien d'observer un peu les gens. Moi, je ne peux pas me mettre à une terrasse de café. Et où peut-on voir les gens mieux que dans la vie, mieux que où ils sont, c'est de les passer. Comme c'est vrai, le métro, je ne l'ai pas pris depuis 1960 ou 1961, parce que je me vois mal dans un métro. En plus, je suis un peu claustro. Oui, à mon avis, ce n'est pas les meilleures conditions. Je serais très mal si je devais aller dans le métro aujourd'hui, parce que je ne sais plus du tout, je serais certainement très, très perdu. Alors, il y a des images qui vous collent à la peau. Moi, je voudrais en prendre deux comme exemple. Il y en a une, c'est la moto. Alors, Johnny, c'est la moto, c'est la Harley Davidson. Moi, j'aimerais savoir, au-delà de l'engin, qu'est-ce que ça représente, une moto, pour vous ? Pourquoi ? Et certain qu'une moto, c'est un petit peu la liberté, quelque part. La liberté, donc, on manque tous un petit peu aujourd'hui.
J'ai une passion pour les Harley Davidson. J'ai quand même, dans ma vie, à certains moments, roulé sur des motos japonaises. Bon, c'est des motos qui sont des très bonnes motos, qui roulent très vite. Mais cette passion-là de la vitesse m'a un petit peu passé. Parce que pour moi, Harley Davidson est quelque chose qui fait partie d'une légende, d'un mythe. Ça a un petit peu remplacé les chevaux. Les chevaux, quelque part, la liberté, le désert, les grands espaces. Et puis, une Harley Davidson, on l'entretient, enfin, on la change, on la customise. Ça fait partie un petit peu de des choses qui font encore rêver. Oui, vous m'aviez dit, quand on s'est vu avant-hier un peu pour bavarder, vous m'aviez dit, c'est le dernier engin un peu héroïque. Hein, c'est ça. Oui, c'est un objet. Pour moi, c'est un bel objet. Un objet, il y en a qui font des collections de bon. Moi, c'est Harley Davidson. C'est un objet que j'adore, un objet que... Enfin bon, bref. Voilà. Alors, autre image qui vous colle à la peau, alors c'est les caricatures. Il y en a certaines, vous avez l'habitude de caricaturer. Et puis, il y en a une qui fait un peu plus mal, c'est celle de la marionnette de Canal+, qui vous fait dire à queue à toutes les phrases. Et c'est vrai d'ailleurs qu'elle vous fait passer pour un sombre abruti. Oui. Alors, ça ne doit pas être agréable tous les jours, ça. Alors, vous dites, moi, ça ne me gêne pas trop, surtout ma fille. Non, c'est vrai que, bon, moi, ça me fait rire de temps en temps, mais enfin, c'est vrai que ça fait pas rire du tout ma fille, qui est revenue de l'école plusieurs fois, qui s'est battue pour qu'on respecte l'image de son père, bon, etc. Je pense que, enfin, je ne sais pas, c'est pas très agréable dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, de s'entendre traiter d'abruti. Je trouve ça un peu dur. Je trouve que la caricature, notamment, qu'ils ont fait des montants, est complètement bête, est complètement méchante, est complètement... je sais pas, moi... Je trouve que personnellement, les auteurs devraient se renouveler un petit peu, parce que je trouve ça vulgaire, en plus. Je ne sais pas, quel courant pensez-vous de votre caricature qu'ils font, par exemple? Oui, bon, moi, ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous dites à queue à toutes les phrases? Moi, je n'ai pas remarqué. Non, je ne sais pas, on s'est rencontrés deux, trois fois. Je n'ai pas remarqué. Bon, oui, non, c'est, vous dites c'est votre fille et elle remarque au lycée. Quoi. Quand on a des enfants, il faut quand même faire attention un petit peu à l'image que peut apporter un petit peu... Un enfant, c'est fragile, surtout à l'âge de ma fille, qui a 7 ans, qui va sur ses 8 ans, elle va à l'école, elle est la fille d'un père et d'une maman connue. Il faut faire un petit peu attention parce que les enfants sont fragiles, tout le reste de leur vie dépend un petit peu de leur fragilité, de la façon de les élever aujourd'hui. C'est dur d'avoir une image de père ridiculisée. C'est dur, oui, et puis c'est dur d'élever un enfant, de ne pas faire de fautes. Moi, j'ai été très marqué dans ma jeunesse parce que, bon... j'ai pas été élevé par mon père, j'ai rarement rencontré mon père, j'ai dû le rencontrer une fois dans ma vie, puis quand je sortais de l'école, c'est vrai qu'il y avait des camarades de classe qui me disaient « Ouais, toi, tu dois être un fils d'un boche, t'as pas de père, etc. » Et que ça m'a marqué, ça m'a créé des problèmes pendant longtemps dans ma vie, que j'ai pu m'analyser moi-même et m'en sortir. Mais c'est vrai que la vie future d'un enfant dépend aussi de la façon dont il est éduqué. Alors, je comptais là, 700 chansons, 100 millions de disques. On a le sentiment que vous renouvelez à chaque fois, que vous voulez toujours avancer et que finalement, vous ne regardez pas en arrière. La nostalgie, c'est pas tellement votre affaire. Bon, ce qui est fait, est fait. Hein. Et j'étais très frappée par ce que vous dites souvent, c'est que vous vous écoutez jamais. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes particulièrement critique? Est-ce que parce que c'est de la pudeur ou parce que précisément vous voulez renouveler tout le temps le musical? D'abord, ce que j'ai déjà fait, j'ai pas envie de l'écouter parce que je l'ai déjà fait. Et puis, je trouve pas toujours tout ce que j'ai fait de bien. Et il y a des choses que j'aimerais pouvoir retirer du marché pour les refaire et les faire mieux. Maintenant, c'est vrai que j'écoute pas mes disques, sauf à la radio quand je suis en voiture. Et là, ça vous fait quel effet? Vous dites, tiens, il y a des chansons que je chante plus comme ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que bon, je dois sans doute évoluer comme tout le monde, comme d'autres chanteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 91, je ne chante pas de la même façon que je chantais en 60 ou en 61. Les chansons ne sont plus les mêmes, la musique a évolué. J'écoute pas en général ce que j'ai fait avant parce que je travaille beaucoup en studio. Quand on fait un disque,
Je passe des heures, la moitié de la nuit en studio, on refait des phrases, on remixe, on revient deux jours après, le mix ne nous plaît pas, on remixe, donc on peut dire comment on les entend ces chansons. Donc vous en avez marre quand vous l'entendez. Après des heures, des semaines, des mois de travail sur un disque, on n'a plus envie d'écouter des chansons dont on a passé des heures pour les faire. Et puis, quand j'ai fini un disque, pour moi le disque est terminé. À part chanter les chansons sur scène. Quoique même sur scène, on les modifie un petit peu ces chansons, on les rend un petit peu plus scéniques par rapport au disque. Mais c'est vrai que je pense déjà, sur la fin d'un disque, je pense déjà au prochain. Et à la fin d'un spectacle, vous pensez aussi au suivant, et je sais que vous pensez déjà à Bercy qui aura lieu dans un an. Parce que j'ai fait tellement de spectacles, il faut trouver des idées différentes à chaque fois. Des idées de mise en scène. Bien sûr. Donc j'ai fait pas mal de spectacles déjà. Et, donc à chaque fois, c'est des nouvelles. Trouver les idées. Pour surprendre les gens, pour dire. Oui, et puis même pour ça, il faut se donner un petit peu envie. Goldman m'a écrit une chanson, l'envie. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a tous besoin d'une envie pour faire quelque chose. Donc pour avoir l'envie, il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Alors, vous n'avez pas encore fait tellement de comédies au cinéma. Moi, je dois dire que j'en ai un peu marre de vous voir avec une arme à feu entre les mains. Et avec Costa Gavras, vous avez... C'est bien, les armes à feu. Bon, c'est un petit peu, il faut le prendre un petit peu comme des bandes dessinées. Avec Costa, vous aviez fait un essai, là, c'était drôlement bien. Je ne sais pas comment a marché le film, mais c'était Conseil de famille, si Conseil vous voulez bien. Conseil de famille, oui, bon, Crânier Ardent et Les Marchands. C'était une comédie. Et vous n'avez pas envie de rire un peu de... Si, mais moi, j'aimerais bien faire une comédie. Malheureusement, on ne pense jamais à moi pour faire des comédies. Moi, j'adore les comédies. J'aimerais bien faire un jour une comédie en France qui fasse rire, comme telle que certains aiment chaud avec Marie Monroe de Billy Wilder, ou des comédies qui sont des comédies de situation plus que des comédies où on force un petit peu le rire. Alors, si je vous demandais comme ça, qui vous admirez, vos grandes admirations, est-ce que ça va à des chanteurs, ça va à des comédiens, est-ce que ça va à des personnages historiques, est-ce que ça va à des grands scientifiques, qu'est-ce qui vous force votre admiration, c'est quoi, c'est qui? C'est par rapport à des époques, c'est par rapport à des gens que j'ai connus ou à des gens que je ne connais pas. J'ai beaucoup d'admiration pour Yaya Kazan parce que c'est un des créateurs de l'Actor Studio. C'est grâce à lui que nous avons eu des acteurs tels que Brando, tels que James Dean, tels que Montgomery Clift. J'admire des comédiens français comme Gérard Depardieu, qui pour moi est un comédien unique en France, et il faut le garder parce qu'on n'en a pas beaucoup. On va le garder. Mais on n'en a pas quand même. C'est un comédien d'exception. Mais au-delà du monde justement des artistes, des comédiens, qui vous admirez, des scientifiques, des grands. J'ai une grande admiration pour les gens qui font des choses dont je suis incapable de faire, des choses beaucoup plus importantes que ce que je fais moi-même ou ce que nous faisons tous dans le show business. C'est-à-dire le professeur Barnard qui sauve des vies humaines, quelque part dans tout à fait autre chose. De Gaulle, par exemple, qui pour moi était un grand monsieur. Delon, d'ailleurs, un jour, j'ai vu votre émission, s'est étendue sur le sujet avec vous. Oui. Et des gens comme ça, pas systématiquement, des gens qui font le même métier que moi. Des gens un peu hors du commun. Et on comptait là tout à l'heure, on disait 30 ans. En 30 ans, il s'est passé quand même énormément de choses. Il y a eu en effet, il y a eu De Gaulle, il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu l'assassinat de Kennedy, il y a eu mai 68, il y a eu la guerre du Vietnam. Qu'est-ce que vous diriez un des moments très forts que vous avez vécu là en symbiose avec tous les Français? Moi, les guerres, j'aime pas trop les guerres, j'aime pas trop la violence en général, et malheureusement, c'est ce qui se passe un petit peu dans le monde aujourd'hui. Il est certain qu'un des événements qui m'ont marqué, comme m'ont marqué la plupart des Français, c'était le premier homme sur la Lune avec Armstrong. Oui, Armstrong. Et ça, je me rappelle qu'on était tous devant notre écran de télévision, il devait être 2 ou 3 heures du matin, à une époque où je me couchais plus tôt qu'aujourd'hui. Et j'étais môme d'ailleurs, et bon, et c'est vrai que c'était absolument magique. Je crois pas qu'aujourd'hui les jeunes puissent avoir des magies comme ça, parce qu'ils ont tout à leur portée, ils ont la télévision, ce qu'à l'époque on n'avait pas tous. Moi, la première fois que j'ai regardé la télévision, c'était encore des écrans en noir et blanc. Ils ont des jeux vidéo,
je veux dire, on ne peut plus vraiment rêver quand on a tout à sa portée. Nous, on n'avait pas grand-chose à notre portée. Et un homme sur la Lune, c'était sacrément épatant. C'était magique, c'était comme un film de science-fiction. Alors, on va parler de l'actualité, bien sûr. Un dernier mot un peu sur vous. Dans ces pages que vous consacrez le Parisien vendredi, il y avait un sondage qui disait que 53% des Français vous aimaient et que 59%, c'est-à-dire 6 sur 10, espèrent bien que vous chanterez encore dans 20 ans. Vous chanterez encore dans 20 ans? Je ne sais pas. Il faut avoir envie, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, ouais. Oui, mais j'ai envie parce que je fais un métier exceptionnel, je fais un métier que j'aime. Et ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, il faut avoir la santé pour faire ce métier. Je pense l'avoir. Si je dois mourir un jour, j'espère que ce sera sur scène. Comme Molière. Alors, le fait d'être un monument national, comme ça, c'est écrasant ou au contraire, ça donne des ailes, ça dynamise? Vous vous dites une fois, oh là là. Il faut quand même que je fasse très très attention la plupart des temps à ce que je dis parce qu'il y a, il y a des gens qui se moquent de moi comme certaines personnes que j'ai entendues dans il n'y a pas longtemps à la radio sur France Inter. Regardez tous Johnny avec Anne Sinclair dimanche, on va bien se poiler. Bon, j'espère qu'on ne les a peut-être pas fait poiler jusqu'à présent, mais j'espère qu'ils vont se poiler par la suite de l'émission. Oui. S'ils n'ont que ça pour se poiler, mais... Donc c'est un peu lourd, quoi, c'est à tous les... Oui, c'est-à-dire qu'on est souvent... Vous savez, les gens vous aiment, et puis il y a des gens qui ne vous aiment pas. Je pense quand même que s'il y a 53% des Français qui m'aiment, il n'y a pas 53 d'abrutis en France. Bon, on va regarder l'actualité de la semaine ensemble. On est un peu en retard. On va vite, on regarde les images du début de la semaine. La Yougoslavie, Ben Johnson et l'intégrisme en Algérie, Viviane Jungfer et Alain Badia. Algérie, opération coup de poing du pouvoir contre les insoumis. Le monde est plus compliqué aujourd'hui qu'hier, où c'était simple, il y avait l'Ouest d'un côté, l'Est de l'autre. Vous regardez ça, je sais. Oui, je regarde ça comme tout le monde, malheureusement, c'est pas très gai. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, en dehors de ce que tout le monde sait déjà? Oui, c'est-à-dire l'éclatement de la Yougoslavie, la balkanisation, ces nations qui s'effritent. Je lis comme tout le monde les journaux le matin quand je me lève avant de faire du sport. Et bon, l'effondrement du mur. Je vois par les journaux que les Croates n'aiment pas les Serbes, les Serbes n'aiment pas les Croates, les Slovènes ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Je veux dire, à un moment précis où on parle de l'Europe unie, je ne vois pas comment. Je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir. L'Europe se morcelle avant de s'unir. On se morcelle, oui, je pense à une sorte de, je ne sais pas moi, d'avoir bientôt on risque d'avoir une sorte de Liban à notre porte, quoi. On a entendu George Bush dire à propos de la Yougoslavie, au fond, la Yougoslavie ne mérite pas une guerre. Il y a des pays qui ont mérité qu'on fasse la guerre, et récemment cet hiver, parce qu'on a fait la guerre du Golfe à propos du Koweït. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette guerre du Golfe, parce que vous étiez comme tous les Français, j'imagine, votre poste de télévision. Oui, je l'ai vécu comme tout le monde. Moi, j'étais... on en parlait déjà depuis l'été dernier. Moi, j'ai fait une tournée qui s'est terminée la veille de Noël, donc j'ai rejoint ma femme à la montagne. Et puis bon, là, j'ai vu quelques appelés qui étaient à la montagne, qui prenaient leurs dernières vacances avant de partir dans le golfe. Je l'ai suivi un petit peu comme ça, par rapport à ce qu'ils m'ont dit, par rapport à leurs angoisses qu'ils avaient. Vous avez l'impression que ça valait la peine, que Saddam Hussein était un dictateur comme un autre? C'était un peu plus que ça? Non, c'était pire. Pour moi, c'est pire que ça. Pour moi, c'est quelqu'un qu'il fallait arrêter, de toute façon. Il fallait le stopper. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quelque chose auquel je crois. C'est un criminel. Non, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme vous. On va vite, là, on passe l'actualité en revue, oui. Comme on le fait toujours à 7 sur 7. Vous avez vu le procès des paras pour ratonnade. On ne va pas juger des faits, puisque de toute façon, il va y avoir une décision de justice. Mais le racisme, ça, c'est quelque chose qui vous indigne, qui vous révolte. Vous ne comprenez pas ça, vous admettez pas ça? Non, je ne peux pas comprendre ce que c'est que le racisme. Pour avoir une raison. Moi, je ne suis pas raciste. Je trouve ça démodé, dépassé. On vit à une époque où il y a déjà assez de conflits dans le monde sans qu'on soit en plus raciste. En plus, nous avons des tas d'immigrés chez nous.
c'est vrai qu'il y a des gens racistes, ils ont des raisons de l'être, enfin je l'espère pour eux. Moi je ne suis pas raciste, je trouve ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, démodé. Maintenant on parle des paras par rapport à ça, mais enfin bon, il y a toujours eu, ça aurait pu être les Marsois. Moi j'avais partie des Marsois pendant mon époque militaire. Non, on ne dit pas que les paras sont racistes. Là, c'est une affaire de racisme dans laquelle des paras sont impliqués. Donc c'est... Oui, mais enfin, bon, le racisme a toujours existé. Vous savez, le racisme... Quand j'étais aux États-Unis, un blanc ne peut pas aller dans le quartier noir. Il ne faut pas oublier aussi que dans certaines situations, les noirs... Je dis bien ça, je dis ça parce que je veux pas que ce soit mal pris, je ne suis pas raciste. Hein. Mais les Noirs sont plus racistes que nous. Souvent, c'est vrai que dans les familles bourgeoises, de certains pays, ils se marient entre eux, ils n'accepteraient pas que leur fille se marie avec quelqu'un d'une autre religion. C'est un peu la logique de l'exclusion, où se sentant exclu, ils se replient aussi. Absolument, sur leur propre communauté. Il y a quelque chose qui a surpris, c'est que vous aviez toujours dit, moi je chante pour tout le monde, je chantais pour SOS Racisme, je chante pour la fête de l'UMA, je chante pour Chirac qui est un ami, etc. Mais vous aviez toujours dit que je ne chanterais jamais pour Le Pen. Justement, dans le Parisien Libéré, vendredi, vous avez dit pourquoi pas. Alors, est-ce que vous faites une différence entre Le Pen, les électeurs de Le Pen? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Oui, je fais une différence entre Le Pen et les électeurs de Le Pen. Je ne partage pas les avis de Monsieur Le Pen, en tout cas pas toujours. Mais bon, il y a quand même 15% de Français qui votent pour lui. 15% de Français qui votent pour lui, est-ce que ça vient d'un désespoir? Ils ne savent plus vers qui aller, dans quel clan ils sont. Il y a aussi ça. Monsieur Le Pen, aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il ne serait pas là si on ne l'avait pas mis là. Il y a des gens qui votent pour lui et il faut respecter les gens qui votent pour lui. Ce sont des Français, des citoyens français, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Moi, si on m'a jamais demandé de chanter pour Le Pen. C'est pas pour Le Pen que j'irais s'il devait chanter. Ce serait pour son parti, de toute façon. Moi je suis chanteur. Je vais chanter. Mon métier, c'est de chanter. Je fais la fête de l'humanité. Je chantais pour Chirac, qui est d'ailleurs, en passant, mon ami personnel. Pas en tant qu'homme politique. Moi, je n'ai pas donné mon avis politique. C'est un avis que je garde pour moi. Je vote comme tout le monde. Je vote, oui, bien sûr que je vote. Ça vous concerne. Oui, ça me concerne. Ça, c'est pas, je vais pas donner mon avis politique, mon avis, parce que je suis Johnny Hallyday, ça ne regarde que moi. Pourquoi je n'irais pas chanter pour... Donc vous chantez pour des Français, quel que soit ce qu'ils pensent. Quand je fais un spectacle, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Paris, on ne demande pas à chaque spectateur qui vient dans une salle... De quel parti êtes-vous et empêcher les gens de rentrer s'ils ne sont pas des partis dont on a envie. Les Français, c'est des Français, ils votent en leur âme et conscience, et ça, je respecte. Alors, dans un instant, on va voir, Johnny Hallyday, la suite de la semaine avec le chômage, les banlieues, l'écologie et Johnny, bien sûr, que vous retrouvez tout de suite dans une minute. Et suite de la semaine, avec côté Woodstock, là, en effet, à la porte du Père Lachaise. Oui, parce que Jim Morrison a quand même été le porte-parole d'une certaine jeunesse des années 70, et que, bon, comme Gainsbourg, c'était un petit peu un poète maudit, comme on pourrait appeler, et bon, c'est pas quelqu'un qui chantait que des fadaises et qui chantait un petit peu ce que les jeunes de cette époque-là ressentaient. Je comprends très bien ça. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le film Doors, où on parle de la vie de Morrison, qui est admirablement bien interprété par l'acteur qui interprète Morrison. Et ça a ravivé la mémoire. Qui a ravivé la mémoire. Donc on connaît un peu plus la vie de Morrison avec ses excès, l'alcool, la drogue, etc. Ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille d'aller voir s'ils aiment les Doors, parce que c'est un très beau film. Voilà. On voyait au début de la rétrospective, là, de cette actualité de la semaine, Michael London, Lee Remy qui meurt d'un cancer. Vous me disiez l'autre jour, on finit par oublier qu'on meurt d'un cancer tellement on parle aujourd'hui du sida. Mais vous savez, le cancer, ça existe. C'est une maladie très grave qu'on n'est pas encore arrivé à trouver le remède qui pourrait faire que ça s'arrête complètement. Il y a des cancers qui guérissent aujourd'hui. Oui, mais moi, par exemple, j'ai quelqu'un de ma famille.
de ma famille, la femme de Lialidé qui m'a élevé, sa dernière femme, qui est morte il y a 3 mois du cancer. C'est vrai qu'on parle moins du cancer depuis le sida, mais le sida... Il faut dire que le sida est une telle catastrophe. C'est une telle catastrophe. C'est pas un cadeau qu'on ait pu faire à... qu'on ait pu faire à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais j'avais envie de vous dire, au fond, vous avez été utilisé pour une publicité sans votre accord, mais là, avec votre plein accord, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes? J'ai refusé cette publicité-là parce que c'était dérisoire par rapport à la gravité de ce qu'est le sida. Et je considère que le sida est quelque chose de trop important, de trop grave, pour qu'on le porte en dérision. Ce que je pense du sida, c'est un fléau de faire attention, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de se protéger. Quand on ne connaît pas les personnes avec qui on va. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui hésitent à franchir le pas. Oui, parce qu'ils ont peur de paraître ridicules. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les sida, le bout de la route du sida, c'est la mort. C'est la mort. Et ça, c'est grave. Et non seulement c'est la mort, mais si on ne s'en rend pas compte qu'on peut l'avoir attrapé, c'est de le redonner aux autres. La drogue, c'est souvent la mort aussi, c'est même souvent des choses qui se passent. Oui, la drogue, mais il y a aussi pas mal de cas de sida chez les drogués, aussi. La drogue, c'est mais plus la dur drogue, de s'en débarrasser. Mais la drogue, ça tue à petit feu, c'est... Enfin, toutes les drogues, moi, je suis contre ça. On commence par un joint, hein, et puis on finit par autre chose. Je veux dire, c'est comme les gens qui commencent au début à boire un verre d'alcool et qui finissent par la bouteille. Vous avez décidé complètement d'arrêter de boire. Moi, je buvais pas mal par rapport à mon métier, par rapport à tout ça, parce que c'est vrai, je fais un métier où on est très angoissé éventuellement, et c'est vrai qu'on a l'impression que de boire un verre ou boire deux verres, ça rassure un petit peu, ça donne une espèce de confiance en soi, ce qui est faux. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai complètement arrêté de boire. Et je me porte beaucoup mieux. Vous préférez vous demander de temps en temps si vous avez confiance en vous qu'avoir une fausse impression de confiance. Vous avez confiance en vous? Moi, je n'ai absolument pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi dans la vie. Je n'ai pas confiance en moi en tant qu'homme. Je n'ai pas confiance en moi par rapport à ce que les gens peuvent penser de moi. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'alcool, c'est éphémère, ça n'enlève pas les angoisses qu'on peut avoir soi-même. Donc autant ne pas le faire. Alors on va parler un peu du chômage, des banlieues, mais peut-être un peu autrement. On est frappé de voir à quel point aujourd'hui on parle de l'affrontement permanent entre les jeunes, d'une part, et puis la société, les flics, l'État, d'autre part. Comme si ces enfants étaient au fond orphelins, comme si les familles n'existaient plus, comme si les parents n'avaient plus droit à la parole. Alors regardez ces 3 portraits de parents qui vivent en banlieue. Ils ne sont pas forcément représentatifs. Certains sont issus de l'immigration, d'autres sont français de souche. Mais écoutez-les, ils parlent logement, travail, intégration. Guylaine Chenu et Laurence Aubade sont allés les voir. Le dialogue avec leurs enfants, c'est dur. Je connais un petit peu ce problème parce que quand j'étais môme, j'ai connu un petit peu ce qu'on appelait à l'époque la zone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vivre dans certaines banlieues, c'est comme vivre en enfer. Je comprends le désespoir de certaines personnes. Les jeunes ont l'air plus durs dans les années 60. Oui, mais vous savez, c'est comme se trouver devant un mur, et de ne pas pouvoir passer ce mur. Et je ne crois pas, très honnêtement, que ce soit des belles paroles qui empêcheront les gens de se révolter, mais plutôt des actes. C'est ce que je crois, c'est un petit peu ce que tout le monde attend. Comment vous les trouvez, ces jeunes d'aujourd'hui, encore une fois, plus durs que celui, justement, des années 60? Comment vous la sentez, la génération? Oui, certainement plus durs, mais les problèmes ne sont plus non plus les mêmes. Les problèmes des mômes des années 60, c'était des enfants d'après-guerre, c'était plus un petit peu une incompréhension qu'il y avait entre les parents et les mômes. Ça a été très bien expliqué d'ailleurs, c'était dans un film de James Dean, d'ailleurs, je vais reciter James Dean puisqu'on parlait tout à l'heure de cinéma, La fureur de vivre, oui, il pouvait pas... Il y avait À l'époque, c'est vrai que quand un môme avait une mauvaise note à l'école, il rentrait à la maison, c'est vrai, il recevait une tarte sur la figure. Par son père, les parents n'essayaient pas de comprendre pourquoi il avait une mauvaise note. Peut-être que c'était par rapport au conflit qu'il pouvait y avoir dans le couple et que les enfants le prenaient mal quelque part. Maintenant, c'est bon, il y a d'autres problèmes. Ce sont les mêmes jeunes, mais avec d'autres problèmes, les problèmes d'aujourd'hui qui sont peut-être aussi beaucoup plus graves par rapport au chômage, par rapport à la vie qu'ils mènent, par rapport à les endroits qu'on les met comme du bétail.
C'est normal que les mômes n'aient pas envie de rester chez eux dans un deux pièces à cette personne. C'est vrai qu'ils ont envie de sortir dehors pour vivre un peu, pour respirer, pour et je pense pas que ce soit tout à fait l'idéal pour eux. Et le problème de l'immigration, bon, on abordait un peu le racisme tout à l'heure, le problème de l'immigration, vous dites au fond, les immigrés, ils doivent un peu s'adapter au pays où ils sont, mais il faut pas oublier quand même qu'on les a fait venir. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on fait venir des gens pour faire finalement le boulot qu'on n'a plus envie de faire. Oui. Ces gens ont droit à un logement décent, ils ont droit à une éducation, ils ont droit de vivre une vie normale comme n'importe lequel des citoyens français. Alors le chômage, vous en parliez, je voudrais vous donner les lectures et vous montrer le sondage BVA qu'on fait chaque semaine. Quel est l'événement de la semaine parmi tous les événements d'actualité qui vous a le plus marqué? Eh bien c'est le plan anti-chômage du gouvernement qui vient en tête, 34%, le conflit entre la Slovénie et l'État yougoslave, 26%, l'accord sur la protection de l'Antarctique, 15%, les manifestations des Harkis, 12%, l'arrestation des dirigeants du Front islamique de Salut en Algérie, 6%, les combats entre l'armée libanaise et palestiniens, et les palestiniens, 3%, ne savent pas. Et pour la deuxième semaine consécutive, on s'aperçoit que l'événement qui a le plus marqué l'actualité, c'est le chômage ou tout ce qui le concerne. Et à la question, pensez-vous que le plan pour l'emploi adopté mercredi par le gouvernement permettra de ne pas atteindre les 3 millions de chômeurs avant la fin de l'année? Oui, 16%, non, 63%. Donc un très haut niveau de scepticisme sur la façon de lutter contre le chômage, y compris d'ailleurs à gauche, où 55% des électeurs de gauche sont sceptiques. Donc des problèmes en plan pour tout le monde et pour la société. Dernière partie de la semaine, Johnny Hallyday, si vous voulez bien. Wimbledon, le Parti Socialiste, le commandant Cousteau, l'Antarctique et le Liban, Viviane Jungfer et Alain Badia. Nigel Mansell, deuxième Alain Prost, on est content pour Alain Prost, même s'il est deuxième. Quant à Nigel Mansell, il a gagné sur une voiture Renault, donc ça met du baume au cœur quand même. Les Français sont partout. Le sport, on en a dit quelques mots, mais finalement, vous, c'est surtout la boxe que vous aimez bien, mais vous dites le sport, c'est un moyen aussi de promotion sociale. Vous dites il y a des gens qui peuvent s'en sortir que comme ça. Oui, moi je me rappelle à une histoire de l'époque, il y a de ça quelques années, où j'allais, il y avait en France, il y avait au Palais des Sports, c'était connu pour ça, il y avait toujours le lundi, c'était toujours des combats de boxe. Et on était toute une bande à y aller, il y avait Claude Lelouch, il y avait Jean-Paul Belmondo, et d'autres, et puis bon, moi. Et c'est vrai que ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Maintenant, on ne voit plus des combats de boxe que des grands matchs. Mmh. Et c'est vrai que dans une certaine classe sociale, la boxe, c'est un petit peu pour les gens qui veulent chanter, un petit peu pour les gens qui essayent de faire du cinéma ou d'autres choses, c'est un petit peu un moyen de s'en sortir, qui n'ont pas une culture, qui n'ont pas eu accès à ça, de s'en sortir un petit peu avec les seuls moyens. Ça c'est quelque chose qui fait rêver et où on se dit soi-même, pour que je m'en sorte, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est vrai que ce sont des sports de pauvres. Ce ne sont pas des sports de riches. Je considère qu'il y a peu de coureurs automobiles qui sont des fils de pauvres. Il y a beaucoup de fils de riches qui font sans rien enlever à l'héroïsme des coureurs. Il faut quand même avoir un certain bagage derrière soi d'argent pour pouvoir être coureur automobile. Alors que bon, dans les sports de pauvres, il y a quand même la boxe. D'ailleurs, on les voit dans les banlieues. Et c'est un petit peu un sport désespéré, c'est un petit peu un sport de désespoir et de pouvoir s'en sortir. La politique, on en a dit quelques mots tout à l'heure, on a parlé différents partis. J'aimerais savoir comment quelqu'un comme vous, comédien, chanteur, etc., comment vous les percevez là sur le petit écran, vous les voyez qui défilent, comment vous les voyez, les hommes politiques? Les hommes politiques? Moi, je suis effaré de voir certains hommes politiques. Pourquoi effaré? Non, parce qu'ils font mieux leur métier que nous, finalement. J'ai remarqué. Non, c'est vrai. Oui, est-ce qu'ils font mieux, parce que dire, ils font mieux votre métier que nous? Ils font mieux notre métier, puisque moi, je ne suis pas tout seul à le faire, donc je pense aussi à mes camarades. Ils font mieux leur métier. Ils sont devenus très, très show business, les gens de la politique. Ils font beaucoup plus show business que nous, on est politique, finalement.
Moi, je me rappelle d'un jour quand on avait M. Giscard d'Estaing, qui était notre président à l'époque, venir sur scène à un spectacle Claude François, jouer de l'accordéon, l'accompagner sur scène. Je veux dire, moi, je ne vois pas un comédien ou un chanteur allant au milieu d'un discours politique, d'un homme politique, aller et puis prendre la parole pour continuer ce discours. Je veux dire, ils sont très... je me demande s'ils négligent pas un petit peu trop leur parti, un petit peu trop la politique par rapport à leur image de marque. Oui, ben voilà, le fond du discours plutôt que la forme. Vous me disiez tout à l'heure, pendant les images, on prolongeait les discussions qu'on avait eues sur les banlieues, sur le chômage, etc. Et vous disiez, au fond, le tiers-monde, c'est bien, on s'occupe du tiers-monde, mais s'il y a le tiers-monde chez nous... Non, mais vous me disiez Coluche, au moins, lui, s'est occupé... Oui, mais enfin, la majorité des Français payent 30 ou 40% de taxes, d'impôts. Et je me demande pourquoi un artiste comme Coluche a été obligé de créer des restaurants du cœur pour nourrir certains de nos Français. C'est vrai qu'on parle du tiers-monde, c'est vrai. Mais le tiers-monde n'existe pas qu'en Afrique ou en Amérique du Sud. En Amérique latine, pardon. Il existe aussi en France. Et ça, c'est un scandale. On va se considérer comme un scandale qu'il y a encore des gens en France. On s'occupe des autres, mais on ne s'occupe pas des gens chez nous. Bah, on essaie quand même. Oui, on essaie, mais enfin, bon, je veux dire, il y a quand même des gens en France qui crèvent de faim, et puis ça, je trouve ça scandaleux. Et donc, vous iriez quand même pas jusqu'à dire qu'il faut augmenter encore les impôts. Vous trouvez que ça suffit comme ça? Écoutez, moi, je ne me suis pas porté dans la tranche des 30-40, mais j'en paye beaucoup plus que ça. Bon, Johnny Hallyday, merci beaucoup. Merci d'avoir été ici, d'avoir fini la saison de 7 sur 7 avec nous. On aurait pu parler beaucoup de choses encore. On aurait pu faire une heure de plus. Voilà, mais je crois que je vais me faire gronder, sinon, si on est trop en retard. Ben, on refera ça voilà, un jour, on fera ça. Mais... vous partez en tournée, où? Je pars en tournée. Alors, je pars mercredi, je suis à Alès, et puis ensuite... Ils m'ont dit, au Francofolie de La Rochelle, de bien préciser que le 14 juillet, vous y serez. Voilà, vous fêterez le 14 juillet à La Rochelle. Eh bien oui, parce que c'est une façon de la fêter. Voilà. Et je vous souhaite bonnes vacances. Merci, merci beaucoup. Oui, en effet, c'est les vacances. 7 sur 7 reviendra le dimanche 8 septembre et on recommencera l'émission avec Patrick Bruel qui écrit des chansons pour vous. Oui, on va finir que j'aime beaucoup. On a fini en douceur, on recommencera un peu en douceur et Patrick Bruel est très aimé des Français. Alors, on va exceptionnellement se quitter, non pas avec le générique de 7 sur 7, mais spécialement pour vous, Johnny. On va mettre un peu de quelques mesures de Diego, qui était une des chansons fétiches de votre dernier spectacle de Bercy. Bonnes vacances à tous. Bonne rentrée de septembre, j'espère, quand on va se retrouver. On va retrouver maintenant Ladislas de Hoyos dans quelques instants pour son dernier journal à 20h. Bonsoir.